pour découvrir le quartier de la Rose. Ils viennent pour une demande financière ou alimentaire, mais on essaie quand même de créer un contact. Voilà, alors après, vous avez de la chance. Lorsqu'une personne a de vrais soucis, soit économiques, soit un souci de droit, le Secours catholique m'appelle. Ils ont besoin d'être écoutés, d'être soutenus. Souvent, ils connaissent mal la langue. Et régulièrement, ils ne connaissent pas du tout le droit. Il faut avoir un endroit pour pouvoir s'isoler. C'est toujours des dossiers plus ou moins confidentiels. Il est nécessaire d'avoir des locaux suffisamment grands, avec des bureaux, au moins un bureau où on peut s'isoler pour pouvoir, à mon sens, mener à bien une bonne écoute, une écoute sereine, disons. Oui. Une minute pour voir que l'église Sainte-Rose de Lima prend l'eau de toutes parts. Secondes pour rêver. Il reste 30 secondes pour que ce rêve devienne réalité. Faites un chèque à l'ordre de l'Association diocésaine de Marseille. Et un peu de patience pour recevoir le reçu fiscal. Et vous pouvez faire aussi un don en ligne sur Credo Funding. Au revoir. Merci.